Avec ces projets, nous allons mettre sur pied une performance intégrant les sens auditifs, visuels et tactiles qui proposera au public une expérience immersive dans les corps des pianistes grâce à la captation de leurs gestuels en temps réel. C'est au sein du laboratoire de simulation et de modélisation du mouvement que nous allons créer la synergie entre tous les acteurs du projet. Les membres du laboratoire, professionnels et étudiants, vont utiliser deux technologies. L'électromyographie qui mesure l'activité des muscles et les centrales inertielles qui mesurent le mouvement. Tout le défi va être de savoir quelles variables vont permettre de créer l'art numérique qui va être le plus immersif pour le spectateur. Bonjour, mon nom est Guillaume Arsenault et je parle aussi pour mon collègue Thomas O. Fredericks. Notre contribution à ce projet s'axera autour de la programmation d'un pont de communication temps réel expressif permettant la discussion entre les technologies de captation de mouvement ainsi que le matériel de contrôle scénique. Ce logiciel, encore inexistant à ce jour, se nommera Osmo. Également, nous encadrerons l'expérimentation des étudiantes et étudiants de techniques d'intégration multimédia à utiliser cet alliage technologique tout en facilitant l'entrée en salle dans nos studios. Caroline et moi superviserons le travail de création visuelle sur écran réalisé par un ou une étudiante en musique numérique. En ce qui me concerne, je superviserai la démarche artistique et technique du travail créatif sur le plan visuel. Et pour ma part, je superviserai l'analyse des données liées à la gestuelle du pianiste et aussi aux aspects sonores de la performance. Avec Myriam, nous allons également réfléchir au phénomène d'intégration multisensorielle et à l'usage de différentes métaphores visuelles pour décrire le son. Le public sera aussi invité à télécharger une application pour téléphone intelligent qui est développée en ce moment dans le cadre de mon stage postdoctoral. Et alors, cette application permettra de produire des vibrations chez le public en fonction de l'activité musculaire des pianistes. La performance comprendra 4 œuvres, j'en jouerai 2 et je superviserai le travail d'un ou d'une étudiante en piano à la Faculté de musique de l'Université de Montréal qui interprétera les 2 autres œuvres. Cette performance sera présentée dans le cadre de l'édition 2021 du Festival Lavallois Level Up.